Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous apprendre à calculer des dérivées de fonctions grâce à votre calculatrice TI-89 Titanium. Pour cela, il faut aller dans le menu Calcul et utiliser l'onglet Calcul qui s'ouvre en appuyant sur F3. Vous comprenez tout de suite qu'il faut appuyer sur la première proposition pour calculer des dérivées. On va donc sélectionner la proposition numéro 1 et on a donc ce petit symbole qui apparaît avec une parenthèse que l'on pense tout de suite à refermer pour ne pas avoir d'erreur à la fin. À l'intérieur de cette parenthèse, nous allons taper l'expression de notre fonction. Alors, pour commencer simplement, nous allons calculer la dérivée de la fonction y est égal à x au carré. Alors, on indique cette fonction, mais pour qu'il puisse calculer la dérivée, il faut que la calculatrice puisse savoir la dérivée à partir de quelle variable. Et donc, comme pour la résolution d'équation, il faut indiquer cette variable en procédant de la manière suivante, en mettant virgule et en mettant la variable concernée, ici c'est x. On finit en validant et la calculatrice nous donne bien le bon résultat, comme quoi la dérivée de la fonction kx associe x au carré est la fonction kx associe de x. On peut faire la même manipulation avec une autre variable, par exemple z, mais il faut juste penser à changer ici la variable. Donne z au carré, la dérivée de z. Si maintenant vous utilisez la fonction y égale pour entrer vos fonctions, et bien si vous n'avez pas envie de retaper votre fonction car elle est trop longue, vous pouvez soit utiliser l'outil copier-coller qui se trouve ici, copier-coller, copie, on retourne dans le menu home, on va calculer la dérivée par rapport à x, on fait de la place et on va coller notre expression de la fonction, on aura bien 4x au cube, ou alors on peut faire plus simplement en disant à la calculatrice d'aller chercher elle-même dans la rubrique y égale la fonction y1. Pour cela, on écrit y1 entre parenthèses la variable x et on valide. En gardant cela, on peut aller changer dans y la valeur de la fonction, par exemple mettre 5 fois x plus x au carré, hein. Ce sont des exemples juste pour vous montrer comment ça marche. Retourner dans Home et appuyer sur Entrée pour voir la nouvelle dérivée de la nouvelle fonction y égale et y1 qui est égal à 5x plus x au carré. Voilà donc comment vous pouvez, à l'aide de la calculatrice TI-89 Titanium, facilement calculer la dérivée des fonctions et avoir leur valeur exacte. Voilà. Au revoir.